loud. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 18h passé de 1 minute. C'est parti pour le live de l'actualité high-tech du jeudi soir. C'est 01 Live Hebdo. On est ravis de vous retrouver en ce 6 octobre 2016. Salut Jérôme. Salut François. Bonsoir à tous. Est-ce que tu veux, François, connaître le sommaire de ce 01 Live? Écoute, j'en piave d'impatience. Je te comprends. Nous allons parler ce soir de Google. Oui. Vous le savez, Google a dévoilé ses Pixel, la nouvelle race de smartphone. Google, visiblement, veut concurrencer Apple et envoyer le Pixel à la charge contre l'iPhone. Puis il y a aussi d'autres nouveautés que va venir nous détailler Raphaël Grably qui rentre de la présentation de Google à Londres. Voilà, et qui a touché ses nouveaux Pixels il y a quelques heures. On retrouvera aussi notre rendez-vous avec le Zoom Actu de Delphine Sabatier. On va parler de Facebook et de toutes les dernières actualités Facebook. Oui, parce qu'il se passe plein de choses. Mais toujours, toutes les semaines, il se passe des tonnes de trucs sur Facebook. C'est incroyable. Et Facebook, ça nous concerne tous. Effectivement. Le labo. Oui, le labo, direction Labo 01net avec David Noguera qui viendra nous parler d'un nouveau drone. Vous le voyez, là, il s'agit du DJI, un drone donc complètement compact. Tient dans la main. Voilà, qui a l'air très sympathique. Il l'a testé, il nous dira ce qu'il en pense. Et puis on reviendra sur l'événement jeux vidéo de cette fin d'année. Ça y est, il sort enfin le masque, Tadam. Donc le PSVR de Sony. Émeric Siméon viendra nous en parler dans quelques instants. Il l'a chaussé ce masque. On vous dira véritablement si c'est l'un des cadeaux de Noël à s'offrir avec sa PlayStation 4. Comme d'habitude, vous pouvez interagir, envoyer nous vos petits messages, vos questions, vos remarques en temps réel sur Twitter, hashtag 01Live. Et puis la question 01Net Orange de la semaine. Le Pixel de Google peut-il concurrencer l'iPhone? Donnez-nous votre avis. Vous votez. Voilà. Pour cela, il suffit d'aller sur www.01net.com. Très bien. Et si vous voyez à côté de la question votre chapeau ici, surtout ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas Jérôme qui a posé son chapeau. Votre chapeau. La question, Robert, la question, tu vas voir. Chapeau. Voilà, il y a marqué en haut votre chapeau ici. Mais ça n'a rien à voir en fait. Mais c'est un truc rigolo. On aime bien rajouter des petites blagues comme ça. Ah, c'est oui. Des easter eggs en fait de 01net.com. En tous les cas, bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour 30 minutes d'actualité high-tech. C'est 01 Live Hebdo. Je mets mon chapeau. Et on commence donc par les annonces Google de cette semaine. C'est vrai que Google n'a pas chômé avec pas mal de nouveaux produits. Bah, c'était à suivre en direct sur 01net TV mercredi soir. Voilà, vous avez été très nombreux à être avec nous à la fois pour le live mais aussi pour le replay de ce live que vous pouvez retrouver. Si on vous manque, vous avez 1h50 de Colombin Sorel, Raphaël Grably et toute l'équipe de la rédaction de 01net. Tout le monde était là. Mais si vous n'avez pas envie, on va vous proposer maintenant un condensé de cette soirée avec Raphaël qui est là. Salut Raphaël. Salut Raphaël. Salut. Voilà, qui est revenu de Londres. Ouais. Puisque en fait, Google a organisé une petite oui, comme soirée à Londres. Tout le monde à San Francisco ou aux États-Unis à chaque fois. Donc, ils font souvent des petites, on va dire, des présentations européennes. Ouais. Souvent, c'est à Londres, évidemment, c'est stratégique. Donc là, on avait droit à une diffusion en direct de YouTube. Donc on regardait l'écran, on regardait la diffusion à l'écran. Ce qu'on pouvait voir ici aussi. Ce qu'on pouvait voir ici. Alors par contre, on avait les produits après. Voilà, ça c'est, ça, c'est quand même le petit plus. Même. On se moque de ça, mais Apple fait la même chose. Non, mais tout le monde, c'est pas Google n'est pas le seul à le faire, parce que voilà, tout le monde ne peut pas aller aux États-Unis tous les 4 matins. Tous les 4 matins. Exactement. Alors ce Pixel, ces Pixel, oui, parce que c'est quand même le gros morceau de cette soirée. Deux nouveaux smartphones signés Google. Oui, alors c'est vraiment donc comme vous disiez pour concurrencer l'iPhone. Vont arriver. Alors le problème en fait c'est ça, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver en France. C'est le principal problème. Il n'y a rien qui a été annoncé. Donc on peut rementionner rapidement de quoi il s'agit. Donc c'est des smartphones haut de gamme, assez puissants, etc. Et en fait c'est une première pour Google parce qu'ils font la partie matérielle et logicielle. Donc comme Apple, c'est les seuls qui étaient capables de faire ça puisque c'est eux qui ont fait Android. Et donc c'est les premiers à avoir cette double casquette.
et à présenter donc leur smartphone. Il y avait un peu ça quand même avant avec les Nexus, c'était un peu ça quand même, non ? C'était assez proche, la différence c'est qu'avant les Nexus, concrètement, quand vous achetez un Nexus, vous aviez quand même sur votre smartphone LG, HTC, Samsung, etc. Huawei, etc. Qui apparaissait. Il y avait la marque du constructeur. Maintenant, c'est insisté là-dessus, c'était le Made by Google, c'est-à-dire que non seulement ils vendent le téléphone, mais en plus ils l'ont conçu. Donc en fait là, c'est HTC qui est derrière la production, mais c'est un simple producteur de smartphone. Oui, Google est un donneur d'ordre. Voilà, mais ils ont un cahier des charges à un constructeur. Voilà, HTC, mais HTC n'apparaît pas du tout. Exactement, c'est comme un peu Foxconn avec Apple finalement. D'accord. Donc c'est pour ça qu'Apple n'a pas ses usines en Californie non plus, c'est en Chine. Et donc finalement, HTC fait avec Google ce que fait Foxconn avec Apple, c'est-à-dire le rôle de sous-traitant. Et d'ailleurs, Google a voulu trouver au début d'autres sous-traitants. Ils voulaient travailler avec Huawei par exemple. Ouais. Et Huawei n'a pas voulu parce qu'ils sont dans une stratégie où ils veulent imposer leur marque et faire une sorte de, pas de marque blanche, mais enfin travailler pour les autres. Ils n'avaient pas tellement envie apparemment. Donc c'est HTC qui est derrière ça. D'accord. Ça fera peut-être du bien à HTC d'ailleurs de pouvoir vendre des téléphones aussi. Bah, le problème d'HTC, c'est qu'ils font... Non, mais ça va pas bien pour HTC. En fait, HTC fait des super bons smartphones et ils ont un petit déficit. Ils n'ont pas la reconnaissance. Voilà, ils ont un déficit d'image, de distribution, de puissance de frappe, etc. Bah, ils ont un peu toujours joué sur les deux tableaux aussi. À la fois, ils ont poussé leur marque en direct et puis en même temps, ils ont toujours fait ça. Exactement. Et donc là, je pense que ça peut leur faire du bien au moins financièrement. Et paradoxalement, quand on parle de Foxconn, on ne sait pas trop de qui on parle. Quand on parle d'HTC, on sait de qui on parle. Quelque part, ça peut leur faire une certaine publicité aussi. Bien sûr. Alors, tu as eu ce téléphone en main. Oui. Est-ce que c'est un joli téléphone ? Est-ce qu'il est, somme toute, voilà, il est waouh ou alors bof, quoi ? Non, il n'est pas bof. Il n'est pas waouh, waouh. Mais il est joli. Non, il est beau. Ils sont assez jolis. Ce qui est assez sympa au niveau de l'originalité, c'est que derrière, en fait, il y a un mélange de métal et de verre. Ça fait un peu Malabar Bigou, là, les trucs, voilà, moitié-moitié. Mais c'est plutôt réussi. Bonjour, le Malabar Bigou. Désolé, j'avais que ça en stock. Non, mais c'est bien, moi j'aime bien. Ça. Bon, après, c'est plutôt réussi. En main, il est agréable. Alors, on retrouve d'ailleurs des petites choses qu'on avait vues chez HTC, un petit côté biseauté, etc. La prise en main le capteur d'empreinte à l'arrière. Le capteur d'empreinte derrière. Ouais. Et pas de bouton physique. Moi, ce qui m'a un petit et pourquoi peu... tu le secoues là, on voit que alors voilà, je le secoue parce que ça c'est une des fonctionnalités, c'est-à-dire que quand vous le mettez en mode photo et que vous le secouez, il passe en mode selfie. Ah, c'est rigolo. Voilà, c'est une petite fonction comme ça. Et pour revenir à la prise en main, la seule chose c'est qu'il n'est pas forcément très fin. Il n'est pas énorme, hein, mais il est certainement moins fin que l'iPhone. On n'avait pas la mesure exacte, mais voilà, il est un petit peu plus épais que ce que fait Apple. Au niveau du design, voilà, c'est pas radicalement différent, il n'y a pas de grosses nouveautés, mais c'est un smartphone qui est visuellement quand même réussi. Donc ça, voilà, c'est déjà... Et voilà, visiblement, l'appareil photo serait excellent, en tout cas, d'après certains indicateurs, notamment DxO. Alors, il y a DxO, qui est une boîte française, qui note chaque... capteur, en fait, elle note le capteur photo, hein, c'est-à-dire vraiment que le capteur, et surtout pas le travail logiciel. Ah oui, donc d'accord. Pas l'appli photo, pas la rapidité d'autofocus, etc. Donc DxO lui a mis la meilleure note. Pour DxO, c'est le meilleur smartphone en photo au monde. Okay. Alors souvent, ce qu'on en pense nous à la rédaction, y compris avec Adrien aussi qui regarde ça très près, on n'est pas forcément d'accord. En général, quand DxO place un smartphone aussi haut, c'est qu'il n'est pas fondamentalement nul, c'est sûr. Après, sur est-ce qu'il est meilleur que l'iPhone, est-ce qu'il est meilleur que le Samsung Galaxy S7, ça reste à prouver. Alors sur place, moi j'avais un Samsung Galaxy S7 qui est quand même très bon, par exemple en basse lumière, qui est un des meilleurs photophones en ce moment. Bon, c'était en intérieur, donc on avait des conditions qui étaient un petit peu homogènes, mais on a pris des photos, enfin j'ai pris quelques photos pour comparer. J'ai réussi à prendre les photos, à m'envoyer les fichiers en définition entière, etc., pour pouvoir comparer. Effectivement, c'est pas mal, il y a match, ça c'est sûr. En basse lumière, c'est vraiment convaincant. C'est vrai que c'est intéressant, on se rend bien compte dans ton article là, qui est publié sur 01net.com. On vous invite à aller le lire parce que vraiment le comparatif entre les deux, voilà, les on les voit deux qu'il y a des photophones, enfin les deux images, c'est intéressant. Exactement, il y a des petites différences au niveau des couleurs, par exemple, on n'a pas les mêmes teintes. Mais clairement, on sent que le Pixel, ça va être un gros photophone du marché, ça va être très important, c'est d'accord. Sûr. Alors, deux tailles, hein, bien sûr, 5 et 5,5. Voilà, 5 voilà, et 5,5. Alors, par contre, à la différence d'Apple, les deux ont strictement la même configuration. D'accord. Donc, il n'y a pas des fonctionnalités supplémentaires, il n'y a pas d'appareil photo en plus, etc. C'est le même smartphone dans deux tailles d'écran. Et la seule différence, c'est que, alors, c'est du AMOLED à chaque fois au niveau de l'écran. Le grand, c'est du Quad HD. Et le petit, c'est du Full HD. Après, d'accord, au niveau de la résolution, en faisant le ratio, bon, on retombe à peu près, à peu de choses près sur les mêmes valeurs.
Alors, ce qui est effrayant, c'est que ces téléphones, tout à l'heure, tu le disais, ne sont pas prévus pour l'instant en France. Non. Ils sortent en Australie, en Angleterre, en Allemagne, aux US, en Inde, je crois. En Inde aussi. Mais pas en France. Non, pas en France. Alors, il y a une hypothèse, c'est qu'en fait, c'est un smartphone qui joue énormément sur le Google Assistant, c'est-à-dire l'assistant virtuel à qui on va parler. On peut y accéder directement depuis la touche Home. Et cet assistant virtuel, pour le moment, il n'est pas en français. Donc, étant donné qu'il est qu'en anglais, on peut supposer qu'ils vont attendre que l'assistant soit prêt en français, mm-hmm. je sais pas, en italien, en espagnol, etc., pour le sortir un peu partout. Mais le problème, c'est quand on veut concurrencer Apple sur ce terrain-là, Apple, quand il annonce un produit, il est disponible dans les semaines qui arrivent, à peu près partout dans le monde. Donc là, il va y avoir un effet un petit peu décevant, on va dire. Quand on est en France, on voit ça, on l'a pas. Et quasiment, finalement, il sera lancé quasiment au compte-gouttes à l'échelle globale, évidemment. Alors, Google, forcément, c'est son premier essai. Il s'implique assez fortement. Donc, on peut comprendre qu'il cherche à voir comment les gens vont recevoir le produit. Et puis, que si ça, s'il cartonne, on peut se douter que l'année prochaine, s'il y a une suite, ce sera lancé à la Apple partout dans le monde. D'accord. Mais bon, pour le moment, c'est vrai que c'est assez dommage. Et puis, surtout, on a les prix par contre allemands, parce qu'il sera lancé en Allemagne quand même. Mm-hmm. Alors, le prix allemand, c'est quand même le prix d'entrée, 759 euros. Waouh. C'est 10 euros de moins que l'iPhone 7, 869 pour la version 128 Go, et le Pixel XL il dépasse les 1000 euros quand même dans sa version la plus chère. Ouais, donc finalement, je ne suis pas sûr qu'il y avait un autre fabricant qui a fait du smartphone à plus de 1000 euros. Donc voilà, c'est quand même symbolique. Google fait aussi du smartphone à plus de 1000 euros. C'est partie aussi de la stratégie. C'est la stratégie, mais on se dit, si on fait la stratégie d'Apple, il faut la faire jusqu'au bout. Donc il faut qu'on puisse l'avoir partout dans le monde. Et ça, on ne l'a pas. Ah, oui. Il n'y a pas de Google Store massif. Il n'y a pas de pub à la télé qui est prévue. Alors, il y en a qui sont prévus, mais le jour où on aura la pub à la télé, les affiches sur les Champs-Élysées, etc., là, ce sera du Apple. Mais il va falloir encore attendre un petit peu au niveau de la commercialisation. Concert à l'Olympia, tout ça. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Est-ce qu'ils vont en vendre beaucoup à ce prix-là, j'en doute, même si par exemple on achète aussi des services, par exemple le stockage de photos et de vidéos en 4K illimité, ça c'est pas mal. On peut imaginer que ça a un coût et que ce service on le paye finalement quand on achète le téléphone. Alors, on le paye, oui. Après, la force de Google, c'est que faire du stockage très peu cher. Ça coûte pas grand chose le stockage chez Google. Quand on est sur Google Photos, alors il y a le stockage gratuit. Ce que je vous disais l'autre fois, moi, je paye 2 euros par mois pour avoir pas mal d'amortir le prix donc, du téléphone. Avant d'amortir le prix du téléphone, va falloir y aller. Raphaël, on enchaîne très vite sur les autres annonces. Donc les autres annonces, il y a eu pas mal d'annonces hardware. Hein. Oui, alors très rapidement, on peut revenir finalement sur le seul produit qui a été annoncé pour la France, c'est la nouvelle Chromecast. Alors Chromecast 4K HDR, alors elle sera vendue à 79 euros. Tu l'as vu, elle était présente là-bas? Non, je ne l'ai pas eu en main. Bon, après, de toute façon, faut vraiment la tester, etc. Ça ressemble à la Chromecast. Voilà, ça ressemble à la Chromecast. Plus que la... Alors c'est possible, d'autant plus qu'elle vient avec un connecteur Ethernet aussi. Voilà. Ne risque de ne pas suffire. C'est ça, sur la 4K, donc l'Ethernet, ça peut être utile. Elle est censée être quasiment deux fois plus rapide en transfert, etc. Donc la Chromecast haut de gamme pour la 4K sur Netflix. Et il va y avoir des films 4K sur le Play Store aussi qui vont arriver. Donc voilà, ça sort en novembre aux États-Unis. Ça devrait arriver assez rapidement en France, 79 euros. Ça reste un produit avec un très bon rapport qualité-prix. Hein. Ouais, c'est un produit que j'adore. C'est un carton commercial. Là, mais c'est le produit. Alors, l'autre sera toujours en vente. Hein, la Chromecast 2 à 39 euros, il me semble. Oui, c'est ça. 39 euros. Ouais, ça a été un carton. Ils ont annoncé 30 millions d'unités. Oui, mais c'est le produit qu'on a quasiment. On l'achète dans un paquet de chewing-gum en sortant de la Fnac. C'est un truc on le voit, on se dit, bon, bah tiens, pourquoi pas. D'ailleurs, ils le présentent souvent à l'entrée des magasins comme ça. Ok, c'est un truc qu'on prend. D'ailleurs, tu prends toi un Chromecast Bigou. Je prends le Chromecast comme le Malabar. Sans sucre. Sans sucre, par contre. C'est Johnny Bigou. Ah, pas mal. Ah non, il faut applaudir quand même. Merci, Jérôme Colombin, merci. Qui de temps en temps, c'est bien. Il faut, c'est bien. Bravo. On a Lucien sur Twitter qui nous dit, qui nous demande si, qui fait remarquer qu'il n'y a pas eu de nouvelles de montres connectées. Hein. Non, mais c'est fini Android Wear, il laisse tomber ou quoi? Ça a été reporté en plus. La mise à jour, la grosse mise à jour a été reportée. Ouais. Android Wear, oui, c'est un peu en suspens pour le moment. Enfin, c'est pas en suspens évidemment, mais il y a Samsung qui fait des choses sous Tizen, etc. Ouais. Android Wear, bon, c'est un petit peu compliqué. On va voir si ça s'éclaircit un petit peu en début d'année prochaine. Ouais. À noter, le Pixel dont on parlait tout à l'heure n'est pas étanche, contrairement à. Non, alors il est résistant aux gouttes d'eau, etc. Ouais. Mais par contre, il n'est pas ni IP67 ni IP68. On peut pas le faire tomber dans l'eau. Merci Raphaël. Merci à vous. Voilà, merci plus de précisions, notamment sur les pixels, dès qu'on les reçoit à la rédaction, avec un test complet qui devrait pas trop tarder. Hein, oui. En espérant qu'il sorte un jour en France. Voilà, s'il arrive. Voilà. Merci Raphaël Grabi, la rédaction de 01net.
On revient tout de suite et la suite de ce Zéro à la Hebdo, c'est avec Delphine Sabatier pour le Zoom Actu. Et à suivre sur Zéronet TV dans un instant, le masque PlayStation VR, Aymeric Siméon, de la rédaction de Zéronet l'a reçu, il l'a testé, il va nous dire ce qu'il en pense vraiment. Et puis David Noguera sera là pour nous parler d'un nouveau drone qu'il est allé voir au Portugal. Voilà. Delphine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Salut à tous. Beaucoup d'actu du côté de Facebook ces jours-ci. Il se passe plein de choses dans des tas de domaines. Alors il y a des choses que vous avez aimées et d'autres que vous détestez. Ouais, j'aime pas là, c'est ma semaine, j'aime pas sur Facebook. Alors j'aime Marketplace, donc qui a été lancé lundi, pas ici, pas en France, mais dans 4 pays, dont les États-Unis. J'aime cette nouveauté autant parce que c'est très ambitieux, c'est assez audacieux, que parce que c'est totalement raté comme lancement. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. C'est, juste pour rappel, un espace de petites annonces façon Le Bon Coin ou de particulier à particulier pour Sarkozy. Je dis ça parce qu'il ne connaît pas le Bon Coin. Ah oui, c'est... D'après Facebook, il y a déjà des réflexes qui sont là, des achats qui se font via sa plateforme. Il y aurait 450 millions d'utilisateurs de Facebook qui donneraient rendez-vous dans des groupes pour acheter et vendre des objets. Moi, je ne savais pas, je n'ai jamais fait ça. Là, l'interface est vraiment sympa, c'est très simple, très épuré. Il y a une photo, un petit descriptif, un prix. Ouais. On peut mettre en vente un produit aussi de manière très rapide avec son compte Facebook, donc on n'a pas besoin de saisir des identifications et tout ça. En 10 secondes, c'est réglé. Par contre, on est complètement identifié, quoi. Alors, on est complètement identifié. Bah oui, sur Facebook, que je veux vendre mes vieilles chaussettes. Identifié. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Absolument. Ouais. Bon. Tu vends une vieille chemise, on aucun anonyme. Oui, mais tu peux vendre ça à tes amis qui savent déjà. Ce que la tu as dans ça, ton dressing. Oui. Voilà. Et Facebook, en plus, a un algorithme toujours aussi mystérieux que les autres algorithmes et qui permet de mettre en avant les petites annonces justement de ses amis et aussi celles qui sont susceptibles plus particulièrement de nous intéresser en fonction de nos centres d'intérêt. Donc, c'est plutôt sympa. En plus, c'est mobile first. Donc, d'abord une application et puis après, on verra sur le PC fixe. 30 millions d'utilisateurs en France pour Facebook contre 25 millions à peu près pour Le Bon Coin. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un coup de vieux pour Le Bon Coin, voire un coup de massue, même si pour l'instant, Facebook ne s'est jamais encore illustré dans le domaine du e-commerce. Hein, c'est tout nouveau. Delphine, tu le disais, il y a eu un gros dérapage au début. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé au lancement de ce marketplace? Alors bah justement, Jérôme, tu disais que c'est très rassurant Facebook parce qu'on connaît les gens, leur vraie identité et tout ça. Sauf que paf, donc jour du lancement de marketplace, qu'est-ce qu'on trouve? De la drogue, de l'alcool, des petites culottes. Des petites culottes. Et des armes. Quoi, des petites la culottes totale. C'est hyper subversif. Ouais, enfin de la prostitution. Je ah oui, dire d'accord. Ça de manière un peu plus légère. Ah, okay. Oui. Carrément. Donc tout un éventail de trafic absolument illicite, aussi d'ailleurs. Hein. Donc Facebook s'est excusé, évidemment, ils ont pris le prétexte de la panne informatique, enfin le problème technique comme on dit aujourd'hui. Oui, bien sûr. Voilà, donc ils vont essayer de pouvoir identifier en amont. C'est sympa, on peut, voilà, il y avait ce des type armes, de vente etc. qui est absolument interdit dans les règles partout et dans c'est les règles de Facebook. Qu'on a vu, des organes humains. On peut vendre ton pot-au-feu. C'était des organes humains. Oui, on peut vendre des animaux. Non, normalement on n'a pas le droit. Voilà, mais donc ce lancement un petit peu catastrophique a surpris Facebook et tout le monde. Bon, en même temps, c'est rigolo. On leur pardonne. Voilà. Bon. Alors sinon, il y a toute autre chose, Delphine, il y a cette histoire de conversation secrète lancée par Facebook. Oui, ça aussi j'aime beaucoup, rien que le nom, conversation secrète. Secrète. Donc c'est plus de sécurité, de confidentialité dans nos messages. Ça, c'est plutôt un bon service puisqu'il est entièrement voué à la protection de l'utilisateur. Il n'y a pas, pour le coup, là, on n'est pas en train d'essayer de faire un nouveau business. C'est une vraie tendance puisque Facebook l'a fait sur WhatsApp, Google Allo aussi, la messagerie de Google le propose. Donc, c'est du chiffrement de bout en bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conversation ne peut être lue, connue, enregistrée que par les protagonistes, donc l'émetteur et le destinataire de la conversation. Donc une confidentialité vraiment très forte. Pour y avoir accès, ce n'est pas installé par défaut. Hein. Il faut déjà avoir la dernière version de Facebook Messenger. On fait sa mise à jour. Et puis ensuite, dans moi, vous allez dans vos options, vous allez voir conversation secrète. Et quand vous lancez un message, vous avez le choix. Soit vous communiquez comme d'habitude tout en bleu, open Facebook, soit
vous lancez une conversation secrète, donc c'est écrit secret, il y a un petit mot secret, et là tout s'affiche en noir, il y a un petit cadenas, et ce qui est assez sympa aussi, c'est que ça peut être un message éphémère, donc il y a un minuteur, et je peux décider que ce message se détruira au bout c'est de 5 une secondes, sécurité supplémentaire. Ou jusqu'à 24 heures, donc on est aussi dans l'ambiance de Snapchat, hein. On sait que Facebook est très intéressé par cette tendance qui plaît beaucoup aux jeunes. Pour l'instant, je crois qu'on peut envoyer uniquement des textes et des photos, pas de vidéo, donc on n'est pas encore totalement dans l'univers de Snapchat, mais on voit bien qu'on y va. Voilà. Et sinon, juste pour préciser pourquoi c'est pas par défaut, pourquoi tout n'est pas chiffré, eh bien parce que Facebook a quand même besoin de nous écouter, de nous espionner, de nous surveiller pour mieux nous servir, de la même façon que Google avec les chatbots qui se nourrissent de toutes nos conversations. Ah oui. Bon, Delphine, en revanche, tu as détesté cette histoire de virus écho. Oui. Déjà, c'est normal, on n'aime pas les virus. Donc, c'est vrai, c'est naturellement, ce n'est pas très attirant. Moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est trop facile, qu'il y a trop de gens sur Facebook qui cliquent partout sans arrêt et que ça nous pourrit la vie. Voilà. Donc, ça, c'est dit, c'est vrai, je suis d'accord. Le piège démarre hyper simplement, c'est-à-dire que vous recevez un partage, soi-disant, de vidéos. Donc, vous voyez, il y a écrit en gros « vidéo » avec votre nom, votre petite photo de profil. Et puis, un lien un peu énigmatique, zix.graphics. Et là, évidemment, quand vous cliquez, vous tombez entre les griffes de malfaiteurs. Donc, vous devez télécharger un plugin qui n'en est pas un, qui est un malware. Et sa spécialité, c'est de récupérer tout ce que vous avez confidentiel sur votre machine. Ce qu'il adore faire surtout, c'est s'introduire dans votre carnet de contact Facebook Messenger. Et donc, comme ça, il pourrit bien l'ensemble de vos amis. On vous remercie. Donc, pour tuer Echo, c'est assez simple. Il faut supprimer cette extension que vous avez installée malencontreusement dans votre navigateur. Il faut changer votre mot de passe Facebook. Et puis, il faut prévenir tous vos copains que vous avez fait une grosse bêtise. Ça a l'air sympa, tiens. Ouais. Faut faire vraiment gaffe. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a, attention. On a beaucoup d'utilisateurs qui sont qui cliquent trop rapidement, trop facilement. Et oui, mais ils sont jeunes s'il en plus. S'il vous plaît, pensez aux autres aussi. De moins en moins jeunes. Merci beaucoup, Delphine. Delphine, directrice de rédaction de 01net.com. Avant de faire un petit détour du côté du labo, avec un gros détour, un drone et le masque PlayStation VR que Aymeric Siméon a chaussé sur sa tête. La question de la semaine, la question 01net Orange. Vous pouvez voter en allant sur www.01net.com. Le Pixel de Google peut-il concurrencer l'iPhone? Non à 59% selon vous. 41% de oui. Continuez. Allez-y, exprimez-vous. Vous êtes la voix de 01net. On en reparle tout à l'heure. On va voir si ça évolue d'ici la fin de ce live. Allez, direction le labo maintenant. Alors, on a du drone et du casque de réalité virtuelle. Par quoi vous voulez qu'on commence? Bah écoute, je sais pas. Allez, choisis. On refaire un deuxième sondage. En tout cas, on salue David Nourrier. Bonsoir. Journaliste à 01net.com et Aymeric Siméon, aussi de la rédaction de 01net. Dans un instant, avec David, on va parler de drone, le DJI. C'est comme ça qu'on prononce? Exactement, DJI. Le DJI. Mais auparavant, regardez, il est là, posé sur la table de ce studio. Ça fait des mois qu'on l'attend. C'est quand même. Là, ça y est, il sort. Ça y est, il est disponible. Presque. Alors, non, il sort quand? Le 13. La semaine prochaine. Jeudi prochain, le live. Commencez à économiser, il arrive. Donc vous le voyez, ça c'est la version définitive en avant-première. C'est ça. Comme d'habitude, en avant-première sur 01net. Toujours. On est toujours sur les bons coups. C'est ça. Alors, ce Sony PlayStation VR. Bah, on va rappeler ce que c'est. Donc, c'est un masque de réalité virtuelle ou casque de réalité virtuelle. Il fonctionne tant avec la PlayStation Pro 4 première génération, la Slim sortie il y a quelques semaines, et il sera aussi bien évidemment compatible avec la PS4 Pro qui arrive le 10 novembre prochain. Le but du jeu, c'est de pouvoir jouer en réalité virtuelle à certains jeux. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'un peu de matériel qui n'est pas fourni avec le casque, alors on peut espérer que vous l'ayez déjà. Il y aura nécessairement besoin de la PlayStation caméra. Ah oui. Et oui, bah oui, parce que mine de rien, en fait, un peu comme l'Oculus ou le Vive, il faut bien que pour que l'image soit correctement, il se sert des caméras pour détecter les mouvements soit de la tête, correctement calibrée. Il y a besoin de la caméra pour fonctionner. Alors, il y aura aussi besoin des PlayStation Move.
Alors besoin, pas une nécessité absolue comme dit Sony, mais certains jeux en tirent vraiment parti. Voilà. Alors ça, tout ça, alors les PlayStation Move et la caméra ne sont pas vendus dans le pack de base. Dans le pack de base, vous aurez le casque, donc le PlayStation VR. Ouais. Vous aurez tout un tas de câbles sympathiques. Voilà. Parce que qui viennent des câbles. Hein. Voilà. De toute façon, réalité virtuelle rime avec câble. C'est ça. Oui. Donc ça va venir un peu grossir le l'amas de câbles qui est derrière la télévision, ouais. Hein, ça c'est certain. Et puis est livrée aussi cette petite unité qui s'appelle donc la processing unit, voilà, et on va raccorder donc le casque en façade et qui derrière va venir se connecter en HDMI à la PlayStation 4 et à la télé. Et ça c'est un boîtier externe. Tout à fait, dont on a besoin. Avec un câble d'alimentation. Il faudrait le montrer, qu'on le montre bien à l'image, donc ce petit boîtier, donc voilà. Derrière toi, il faut poser en plus. Sur la PlayStation. Non. Hop là, voilà, celui-là. Montre-nous la tranche pour qu'on voit tous les alors, branchements qu'il y a. On connecte le casque en façade là-dessus. Hop, voilà. Là. Et à l'arrière, on a. Oh mon Dieu. Oh là là, tous ces câbles. Côté de la TV, côté de la PS4. C'est bien. Et puis, une prise, puis le petit ventilateur, il doit être silencieux là. Oui, assez. Tu vois, mauvaise langue, David Oguerra. C'est ça. Je suis sûr que ton drone fait plus de bruit. Ça vole pas. On est d'accord. Ça peut voler, donc on branche tout. Il faut combien de temps? C'est compliqué à configurer, installer ce bousin ou pas? Non, a priori pas. En trois jours, c'est plié. Voilà, c'est ça. À la fin du week-end, tu peux commencer à jouer. Oui, voilà. Le dimanche soir, 22h. Non, ça se connecte assez rapidement. Faut être honnête. De toute façon, dans le pack, il y a tout ce qu'il faut pour bien l'installer. Il y a tous les câbles. Pas besoin d'en racheter. On va préciser que Sony livre tout. Voilà. Mais tout, mais sauf la caméra et sauf les manettes. Voilà, c'est ça. À part. Donc tout si à fait. Si on achète l'ensemble, si on a. Alors la caméra, c'est 60 euros, si d'accord. On l'a pas déjà. Et cette petite chose là, c'est environ 80 euros. La paire de manettes. Donc ça fait 60 plus 80 plus le casque qui est à 400. 400. Voilà, on est déjà à 540. Si je calcule. Voilà, ça fait 540 plus la PlayStation. Voilà, qu'on a déjà. Hein, on peut espérer. Ah, c'est sûr que tu n'achètes pas ça si tu n'as pas de PlayStation. Non, voilà, ou alors c'est que tu es stupide. N'essayez pas de la brancher sur une Xbox, ça passe ça, pas. Non. Hein. Voilà. Ça passe moyennement. Peut-être avec le marteau si on y va, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Et après, il y a les jeux. Voilà, mais après, il y a les jeux. Alors, qu'est-ce que ça donne côté jeux pour le lancement de ce truc-là? Alors, dans le pack, on a un CD de démo. D'ailleurs, ça nous rappelle un peu aux premières heures de la première PlayStation qui est livrée avec un CD de démo auquel j'ai bien joué. Et donc là, Ridge Racer, je me souviens, en démo. Sûrement. C'est peut-être pas forcément celui que j'ai plus rincé, mais moi, on doit pas en être pas mal. J'aimais bien. Alors au niveau des jeux, il y en a pas beaucoup. Il y en a donc sur le disque de démo, il y en a 8. Il y a 8 expériences. Donc on se comprend. J'aime pas quand tu dis expérience. Alors il y a 8 expériences. Soit c'est des mini-jeux VR, soit c'est des expériences un peu réalité virtuelle. C'est-à-dire on se balade dans des environnements, etc. Nous, on a pu essayer, donc au pop-up store de Sony qui est à Paris, là on voit les images, on a pu essayer tout un tas de jeux en fait, tout un tas d'expériences. C'est très sympa ton petit pistolet là. Ouais, alors ça c'est. Ouais, c'est quoi ça? Alors ça c'est un jeu qui est fait exprès pour le VR, c'est un jeu de shoot exprès pour le VR qui s'appelle Farpoint et qui sortira l'année prochaine. D'accord. Voilà. Et qui sera livré avec l'espèce d'étrange manette, espèce d'esquimo monté sur un support en plastique là. Donc en fait, grosso modo, on tue des grosses bestioles quoi. Hein, voilà. Alors on peut aussi jouer à des jeux de voiture comme on le voyait c'est là assez confortable Drive Club VR. Oui, alors c'est confortable, on peut l'ajuster aussi bien comment dire autour de du crâne, on peut le serrer que, voilà, et tu peux aussi avancer ou reculer l'écran, voilà, d'accord, pour que ce soit le plus immersif possible. C'est assez ergonomique, voilà. Pour avoir essayé les premières moutures qu'on nous avait présentées, il me semble que ça a été amélioré. Non, c'est le confort a été amélioré, c'est ça, le confort amélioré, et surtout pour avoir pu essayer les autres, c'est l'un des plus confortables qu'on ait pu avoir là actuellement, en fait c'est l'un des plus confortables du marché, parce qu'il n'est pas très lourd. Il n'est pas très lourd, il comprime pas beaucoup, donc ça c'est plutôt pas mal. Emeric, on va pas pouvoir tout dire, de toute façon tu es en train de nous préparer une vidéo test détaillée, donc c'est bien, ça va donner envie à ceux qui nous regardent de retrouver ta vidéo demain, je crois qu'elle sera en ligne demain soir. Faut tirer. Appuie sur le bouton qui est derrière. Casse pas tout. Voilà. Voilà. Ah oui, parfait. Globalement, en deux mots, t'es séduit ou pas séduit? Alors, je suis c'est un petit séduit par rapport au HTC Vive ou au Rift. Voilà, il va falloir établir ça un classement. Bien, Sorel, non? Ouais, ça lui va pas mal. Ouais. Voilà. Comment ça va, Emeric? Je rajouterais juste une chose, c'est qu'on peut jouer et regarder des films
grâce au casque. On peut jouer à des jeux qui ne sont pas optimisés VR grâce au casque via un écran en fait type cinéma virtuel qui va venir s'apposer sur l'écran du casque. On peut jouer. Donc ça veut dire que si j'ai une PlayStation 4 sans télé, Alors, qu'avec ça, je peux jouer à ma PlayStation 4. J'ai pas fait le test, il faut que je vois. D'accord. Tu vois si au moins mais tu en peux tout démarrer cas, le jeu. Je peux jouer à tous mes jeux. Avec un écran type écran de télé virtuel juste à poser devant mes yeux, voire regarder un film. D'accord. Voilà. Et j'ajouterais aussi qu'il y a un tout petit casque qui est fourni avec le PlayStation VR dans la boîte, qui n'est pas top. Donc, casque audio. Ouais, un petit casque audio qui ne tient pas tellement. Donc j'ai la solution pour tous ceux qui veulent acheter un bon casque. Soit on utilise son casque de gaming qu'on viendra brancher à la télécommande, soit il y a déjà un constructeur qui a fait une licence Sony, c'est Plantronics, qui s'est associé à Sony pour sortir ce casque-là qui est fait exprès pour le VR. Voilà. Les écouteurs ont été optimisés, etc., pour bien venir appuyer, pas gêner. On voit, il y a un petit micro là. Voilà, alors le micro, il est intégré au PSVR quand on joue avec le VR. D'accord. Ça, c'est juste pour s'en servir quand on s'en sert, par exemple, quand sur une console ou juste avec la PS4. D'accord. Sans le masque. Voilà. Petit très bien. Là, tu commences les tests. On en reparlera bien évidemment. Oui. Merci beaucoup, Émeric. On est super content. Oui, on est tout premiers à vous le montrer. Regardez, ça c'est la version définitive. Est-ce que ça va être le carton de Noël? Tiens, ça c'est la question. Ouais, hein. On verra bien. David Noguera. Oui, moi aussi j'ai joué. Et alors, ça t'a plu ou pas? Oui, c'était vraiment très très bien. Effectivement, ça a été une annonce parce que ça s'est un peu succédé. GoPro Karma, DJI Mavic Pro. Et hier, j'ai pu donc aller à Lisbonne tester le Mavic Pro. Et il est assez magique parce que Mavic Pro, voilà. Alors voilà, donc là, le truc qui est Mavic. Excuse-moi, je te coupe, mais on a l'impression d'avoir une nouvelle génération de drones, un peu comme le Karma, qui ressemble, il ressemble beaucoup au Karma quand même. Il ressemble beaucoup au Karma, si ce n'est qu'il est encore plus compact. Le Karma, quatre branches du quadricoptère le Karma, se rabattent celui de GoPro, toutes vers l'arrière. Là, vraiment, le mécanisme qu'on vient juste de voir, là, qui pivote et qui se déploie juste derrière, c'est vraiment très, très, très intelligent. Parce que le drone, on l'a vu, il tient dans une main. Et en fait, pourquoi ces petits drones arrivent? Eh bien, c'est parce que, en l'occurrence, en France, il y a une législation qui est sur le point de changer. Et pour ne pas avoir à immatriculer son drone, il va falloir qu'il pèse moins de 800 grammes. D'accord. Et là, on va avoir une bataille sur les drones. Exactement. D'accord. Et là, on y est 734 sur le poids. Pour un drone que j'ai, comme celui-ci, bardé de technologie, parce qu'il faut le redire, mais quand même, DJI, ils ont vraiment beaucoup de technologie. On l'a vu très rapidement là, à l'instant. Il a deux caméras sur le dessous, en plus de la caméra qui est en façade, qui filme en vrai 4K. Il a donc des senseurs aussi en dessous pour le stabiliser et deux autres détecteurs à l'avant qui sont l'anti-collision. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologie. On a essayé au Portugal et vraiment ça marche super bien. C'est-à-dire que le truc fait 700 grammes, il est super rapide, il est vite. Alors, commente-nous les images là, parce que bon, t'étais au bord d'une belle fontaine, j'espère que t'es pas tombé dedans. Voilà, non. Le drone non plus d'ailleurs. Alors tu connectes en fait le smartphone à la télécommande. Et là le smartphone devient un écran de visualisation de ce que tu vois. Ouais. Alors c'est pas obligatoire effectivement de le brancher. N'importe quel smartphone, Android, iOS. Là en l'occurrence c'est un iPhone, il y a un petit câble qui passe sur le côté qui permet de plugger directement son mobile. Moi je l'ai essayé avec un iPhone 6 Plus, donc un gros bébé. Ça passe quand même, c'est quand même très confortable à utiliser. Et donc une fois que le smartphone est branché, on a le retour d'image et les deux petites gâchettes. Et tout ça tient vraiment dans un tout petit sac. C'est top parce que jusqu'à maintenant on se disait pour transporter son drone, faut y aller. Là, des gros machins. Vraiment se faire plaisir. Et en plus, il vole ce drone. Et en plus, il vole. Alors là, on est en train de voir une fonction qui est assez. Il y a un mec que je connais à côté de toi. Exactement, il y a Pépé qui est en train de faire, parce qu'effectivement, il va reparler dans le power. Mais là, on est sur le mode du precision landing. Lorsque le drone décolle, il filme le point de départ, là où il décolle, pour venir ensuite se reposer exactement là où il a décollé. Parce que les fonctions de retour à la maison, c'est à 2 cm près, effectivement, mais par rapport à parfois 1-2 mètres de décalage qu'on avait. Même s'il y a du vent. Alors même s'il y a du vent, il va falloir quand même qu'on multiplie les tests sur tout ça. Il faut savoir que c'est une photo. Il a l'air super stable. Et il est super stable. C'est-à-dire que là, on est dans la partie où on était dans la cour. On est ensuite allé dans un endroit un petit peu plus dégagé où il y avait quand même un peu de vent. On avait quand même les arbres qui bougeaient. Et vraiment, pour un truc à 800 grammes sur ce format, c'est juste magique. Là, quel prix, David? Alors, on sera quand même à 1199 euros. Ah oui.
pour le prix de départ et 1499 euros pour un pack avec une seconde batterie, un chargeur, la housse. On se rend compte que mine de rien, aujourd'hui, voilà, pour avoir quelque chose de sérieux, il faut dépasser les 1000 euros, voire être aux alentours des 1500. Hein. C'est le cas du Karma. Hein. Le Karma, il coûte 800 euros, mais si on rajoute la caméra 4K, exactement, on est à 1200. Exactement. Avec, alors, il y a le Karma pour lui qu'on peut effectivement démonter la caméra, enfin retirer son Hero 5 Session, exactement, et du coup s'en servir en tant que gimbal, petite perche. Mais là, la caméra est vraiment pas mal. Elle a l'air de bonne qualité. J'ai testé aussi peut-être la qualité de la caméra par rapport à la GoPro. Voilà. Parce que et l'autonomie que... Alors, l'autonomie, on est sur 27 minutes, puisque effectivement, moins lourd, on arrive à faire des choses de meilleure qualité. Quand je pense qu'avec les premiers drones Parrot, on tenait 6 minutes en l'air. 6 minutes, il fallait recharger pendant 1h30. Et aujourd'hui, on arrive à des recharges, même parfois plus, parce que maintenant, la recharge, c'est plutôt 1 heure. Et la portée, David ? Et la portée, alors, eux, ils peuvent aller, grâce à leur technologie, jusqu'à 7 km. Ça sera 4 km. Pour l'Europe et alors de la DGAC pour la France dit navigation à vue, donc ça perd un peu de son sens, mais on est vraiment sur quelque chose de très très performant. Et il paraît qu'il y a même une fonction obstacle, souffle Jean-David dans l'oreillette. Exactement, il y a surtout ces deux capteurs dont je parlais avec la détection d'obstacles et toutes les fonctions qu'on connaît maintenant sur ces drones un peu haut de gamme qui sont la fonction suis-moi, ce qu'ils appellent le live tracking, on peut marcher et le drone avance en même temps. Et c'est vraiment du suivi de sujet. Ouais. Sur l'application, je me dessine, il me dit OK, je t'ai reconnu, je te suis. Bon, donc, ne pas utiliser n'importe où, bien sûr. Hein. Voilà. Faut dire que la réglementation est assez, quand même assez stricte. Hein. Assez strict. Typiquement, on ne peut pas se servir de ce genre d'appareil en ville. Bah non, chez soi, dans son jardin, on peut se faire dénoncer. Donc là, on le voit, il part à une vitesse en mode sport, il est 65 km/h annoncé. Hein. Impressionnant, impressionnant. Merci David. Là aussi, on en reparlera bien évidemment de ce drone dans les semaines qui viennent. Et puis Pépé Garcia qui vous prépare un power aussi là-dessus. Merci beaucoup David Noguera. Merci David. Merci Aymeric également pour le PlayStation VR. Si. Petit tour. Aymeric a mis son gros pull quand même parce qu'il s'est dit je vais sans doute avoir très très froid dans ce studio étant donné que c'est vrai que l'éclairage est quand même assez frais. Hein. C'est ça. Il s'est mis le plus gros pull de l'étage, je pense. Voilà, c'est ça. Voire même de l'hiver. J'anticipe l'hiver. Mais c'est bien. Comme ça au moins, il n'y a pas de souci. C'est ça. Merci Aymeric. 40 degrés, il faut vous dire. Et Jérôme, on termine avec la question Zeronet Orange. Le Pixel de Google peut-il concurrencer l'iPhone? C'était le sondage du jour, Zeronet Orange. Eh bien, non, selon vous, à 56%. Mais enfin, on est presque à du 50-50 là. Hein. Ouais, je pense que là, il y a la bataille Google-iPhone qui s'affronte. Ouais. Bon, on jugera sur pièce quand il sera passé entre les mains du labo pour les tests. Merci de nous avoir suivis sur Zéronet TV. Juste un mot, on a été assez... ému ? Non, on a fait pas mal de vidéos ces derniers temps. Troublé, on a été très besogneux ces dernières semaines, c'est vrai, et notamment cette semaine, avec un live spécial au Mondial de l'Auto, où on vous présente pas mal de nouveautés, etc. Donc n'hésitez pas à parcourir la Zéronet.com, ZéronetTV.com, et aussi notre page YouTube, il y a plein de vidéos qui vous attendent. Ouais, il y a plein de trucs que vous n'avez pas vus, je suis sûr. Faut vite filer sur Zéronet TV. Bon, portez-vous bien. Merci à Thomas Romiret, Jean-David Duarte et Pierre Thiolin qui étaient aux manettes ce soir. Oui, on remercie pas Noémie Lefebvre, le Marek, c'est pas la peine. J'ai pas envie. Attends, c'est elle qui avait tout préparé en plus. Et en plus Noémie qui avait préparé ce live. Voilà, bonne soirée à vous toutes et à vous tous et à très vite sur Zéronet TV. Salut.